10 ans. Et un compte en Suisse. Questions où tu réponds, chaque chose en son temps. Tu as déjà été en prison? Oui, trois fois. Pourquoi? Tu te voles, tu voles. Tu drogues? Non, jamais. Tu es homosexuel? Non, monsieur le juge. Tu couches avec des hommes? Il y en a qui me cherchent, monsieur le juge. Mais tu fais ta part dans les jardins de la Piazza del Cinquecento. Non, monsieur le juge, prends ta part, c'est pas vrai. Mais tu étais dans les jardins ce soir-là. Non. J'étais avec trois copains. On voulait aller au cinéma. Au Moderno. Et puis juste il est arrivé et il m'a proposé de faire un tour avec sa bagnole, une Giulietta, alors j'ai dit oui à cause de la voiture. T'as proposé combien? Réponds! On s'est entendu pour 20 000 livres. J'en avais besoin pour ma Vespa. Tu n'es pas homosexuel, tu ne fais pas le tapin, alors il t'arrive seulement de te faire un peu payer pour te promener la nuit avec tes hommes. La presse du jour, votre... responsable du Parti communiste a déclaré, apprenant la nouvelle, enfin, nous n'aurons plus dans les jambes. Officiellement, le Parti communiste, aux obsèques, publie des tracts et des affiches disant que le peuple romain exprime sa douleur et sa détresse devant la fin tragique et violente de Pasolini, des artistes érudits. Mais épargnez-moi la suite, tenez-moi au courant. Manifestation de rue, autre réaction au déroulement des obsèques. Tu étais consentant, tu l'as suivi sans y être forcé, il te payait, alors pourquoi l'avoir tué? Il était violent avec moi. Il a voulu que je fasse la femme. J'ai eu peur. Un petit gars de 17 ans contre un amas qui le menace dans un endroit désert. Bah, tu répéteras cette phrase à mon avocat! À moi, tu vas dire la vérité! C'est la vérité! Il a pris un bâton, j'ai essayé de fuir, j'ai glissé! Il m'a frappé à la tête, au front, au genou. Je lui ai donné deux coups de genou dans le ventre, mais il continuait à crier. Alors je l'ai pris sur ma tombe et j'ai frappé sur sa tête. Il est tombé à terre. Je l'ai entendu râler, j'ai eu peur. J'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré à toute vitesse, c'est tout. Tu as démarré et... Je me souviens pas. J'avais les yeux couverts de sang. Je me souviens pas si en partant j'ai écrasé Pasolini. Ça fait du bruit, hein, le bruit écrase. Plusieurs détails laissent à penser que tu n'étais pas seul contre Pasolini. Des empreintes de souliers qui ne sont ni les tiennes, ni les siennes. D'autres gens auraient pu passer par là, des amoureux. Pourquoi pas? Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de sang sur tes vêtements alors que Pasolini est couvert de blessures? Je me suis lavé à un point d'eau. Pourquoi pas? Mais il n'y avait pas de trace de sang dans ce fameux point d'eau. Tu entends? Pas de sang dans ce fameux point d'eau. Peu de sang, beaucoup d'eau. Le sang sera dilué. Pourquoi pas? Tu l'as tué avec une planche et un bâton? Oui. Qu'as-tu fait ensuite de cette planche et de ce bâton? Je les ai jetés. On les a prouvés à 56 mètres et 90 mètres du cadavre. Ça fait un peu loin. Qui les a déplacés? Qu'as-tu fait entre le moment du crime et celui de ton arrestation? J'ai pris la voiture et je suis parti au hasard. Pourquoi pas? Mais il ne faut qu'une demi-heure pour se rendre à l'endroit où tu as été arrêté par un simple contrôle de police une heure après le meurtre. La demi-heure inexpliquée dans ton emploi du temps ne se serait-elle pas passée à discuter avec tes complices? Réponds! Une dénonciation anonyme parle d'une voiture de Catane avec quatre personnes à bord qui auraient suivi la voiture de Pasolini le soir du crime. Tu entends? Tu n'as rien à dire là-dessus! Votre honneur, c'est anonyme, donc non, on se bat. Si vous voulez. Enfin, on a trouvé un tricot vert et une semelle orthopédique dans le coffre de la voiture de la victime, qui, selon la cousine de Pasolini, n'y était pas la veille du crime. Je te pose à nouveau la question, Pelotti. Étais-tu seul contre Pasolini? Votre honneur, songez au scandale. Si nous laissons entendre qu'il est mort, victime d'un complot. Le gouvernement a expressément recommandé d'éviter tout risque d'agitation sociale et de scandale à propos de cette affaire. Pelosi est prêt à tout prendre sur lui. Pourquoi ne pas s'en tenir à ses aveux? Pour la dernière fois, Pelosi réfléchit et répond.
T'es du seul contre Pasolini. Je dois te dire, petit, si tu étais seul, c'est un homicide involontaire. Tu t'en tires avec 10 ans. Mais si vous étiez plusieurs, c'est un assassinat. Ça va chercher beaucoup plus. T'es seul, monsieur le juge. Un professeur accusé d'immoralité, messaggero Veneto du 28 octobre 48. Une grave dénonciation a été déposée devant l'autorité judiciaire à charge du docteur S. Lettre Pasolini, connu dans le Frioul pour une certaine activité poétique et littéraire. Pasolini aurait incité à accomplir des actes obscènes sur sa propre personne, les dénommés ZG 15 ans, SP 16 ans et SR 16 ans, tous du hameau de Ramuccello. Pasolini a déclaré que ce soir-là, il avait bu et que par conséquent, certains détails lui échappaient. Pier Paolo Pasolini, tu connais le chef d'accusation qui pèse contre toi? Est-ce que tu reconnais les faits? Ta conduite compromet le parti dans l'opinion des travailleurs. Le service du prolétariat est incompatible avec la pratique d'un fils bourgeois. Hier encore, tu m'appelais camarade. Tu parles à présent comme un carabinier, un marmotteur de confessionnal, un bourgeois. Et autre punaise de sacristie. Le parti a décidé ton exclusion. Le parti?
Mes vrais camarades, eux, sont en ce moment au travail. À l'usine. Je comprends à présent la raison de l'heure inhabituelle de ta venue. Comprends ta tenue. Un jour de semaine, tu te déguises en patron pour exhiber tes préjugés bourgeois. Rends ta garde. Et abstiens-toi désormais de fréquenter notre local. Il s'agit de tes vices et non des miens. Le mot vice fait partie du vocabulaire judéo-chrétien. Il implique des notions propres à la culpabilité. Ce mot devrait être exclu d'un véritable vocabulaire marxiste. Que mon père me traite de merdeux, de bâtard, voilà qui est normal. Dans la bouche d'un officier fasciste, que le curé me menace de je ne sais quoi, mais que... Rends ta garde ! En dépit de vous, je suis et resterai communiste. Monsieur Pasolini, pour cause d'indignité morale, vous n'êtes plus membre du parti. Oui, petit frère, je renie les blêmes moralistes qui ont fait du socialisme un catholicisme tout aussi ennuyeux. Maman, nous fuyons, toi et moi, comme dans un roman, abandonnant mon père derrière nous. Tu n'as pas froid? Ils m'ont empoisonné. Oui, ils m'ont empoisonné. Ils m'ont fait boire leur cibule, je suis tout plein de cette amertume. Je trouverai un travail. Tout recommencera. Je suis toujours ton petit garçon, honnête et bon. Ils ont fait du scandale autour de moi. Ils nous ont fait du mal. Tu te souviens? Un jour, tu me citais Saint Paul. Il faut affronter le scandale. Ne t'inquiète pas, je me connais. Je suis né pour être équilibré, serein. Pour jouer au football, je suis comme un arbre de notre frio. Je serai ta consolation, ton fils modèle. Oui, je sais, ne proteste pas. Laisse-moi te dire ces choses pour la première et la dernière fois. L'amour que tu me portes est une forme d'esclavage. Si, je le sais. Je sais ce que je dis. Nous partons, maman. Nous laissons la douceur des cloches de Sicile. Nous quittons ces fermes, ces champs coupés de canaux, ces enclos, ces hameaux tristes aux masures de chaux et toutes les odeurs de carrelage lavé, de murs chauffés par le soleil, de mûriers secs, de primes verts humides et de sureaux, et les cris du fripier ambulant et du marchand d'olives. Plus jamais nous ne serons au printemps sous les arbres du jardin, en train de manger des cerises. Dans un monde en paix. Je sais à quoi tu penses. C'est la seule chose que nous n'abandonnons pas. Cette tombe vide de mon frère Will. Son corps est là-bas dans le maquis. Mais sa tombe invisible sera avec nous dans le train et les bus de la ville. Nous trouverons un coin en arrivant à Rome. Derrière une HLM, où nous irons porter des primes vertes sans que personne ne nous voie ni ne puisse comprendre le secret de notre geste. Tu dors ? Dors. Je te réveillerai quand le train de Rome sera là. Dors. Je travaillerai et cette vie nouvelle avec toi me sera si légère. Dors, maman, dors.
veux une cigarette? Chewing-gum? Tu te promènes un peu avec moi. Ça veut dire quoi, ça? Je te suis dans les jardins, tu m'enfiles et tu payes? Doucement, petit. On se révolte? Est-ce que tu serais différent des autres, par hasard? Ne te vexe pas. Rome est un séminaire plus une caserne plus un bordel. Et les hommes ici sont tous des curés, des soldats ou des pétards. Et comme je porte pas d'uniforme, tu me prends pour la dernière catégorie. T'oublies que les curés comme les pétards ou les soldats, ça mange. Moi, je dirais qu'à Rome, il y a ceux qui travaillent et ceux qui mangent. Et c'est pas forcément les mêmes. La preuve. Les curés sont ceux qui mangent le plus et travaillent le moins, alors que les putains, c'est tout le contraire. Bien vu, petit. Si j'ai bien compris, toi, tu fais partie de l'élite des travailleurs. Je suis boulanger. Je travaille la nuit, de minuit à 5h du matin. Comme il a dit ça. Je suis boulanger, monsieur. Je vis dans les faubourgs. J'ai 12 frères et sœurs qui vivent agglutinés dans 3 pièces. Semblable à ces chaos d'innocents qui jonchent la terre nue en Inde, où chaque nuit est une nuit de peste. Non, j'en ai pas 12. J'en ai 6. Et toi? T'es sûrement pas ouvrier. Ne te fâche pas. Je me moque pas de toi. La tendresse, ça me change de mes habitudes. Boulanger. Et tes copains s'appellent Paul, César, Tibère, Damien. Et le samedi soir, ils enfourchent leur moto chaude pour aller voir les filles. Si bien que tu dois te sentir un petit peu seul devant ton maître. Tu as Romain? Non. Je viens de la campagne. Moi aussi. Du Frioul. Une terre d'orties et de cyprès. Or, toi aussi, tu t'es battu en culotte courte pour un lit de mésange caché dans un buisson de mûres. Et la violence dans ton ventre, tu l'as senti pour la première fois. Quand tes copains se baignent nus entre les roseaux du fleuve. On ne parle pas de ces choses. Moi, si. C'est mon métier, parler de ce que les autres taisent. Tu peux quand même me raconter le printemps dans tes campagnes? Je sais pas parler comme vous. Oh, allons. Tu as bien un souvenir. Quelque chose que tu n'aurais dit encore à personne. Un secret. Le plus beau? Mmh. C'était la pêche aux grenouilles. La nuit, avec un harpon et un fanal, on en prenait 90 ou 100. On les enfilait sur un fil de fer. Et aussi les parties de foot. Pour acheter un ballon, on volait les œufs à nos mères dans les poulaillers. Et un jour, au moment où je piquais un œuf, paf! Je sens qu'on me serre le poignet. C'était ma mère. Qu'est-ce que j'ai ramassé ce jour-là? Et les odeurs. Tu te souviens des odeurs? Les parfums d'herbe et d'eau stagnante. La saison, tout engrossée de fruits. Les génisses, les boucs, les agneaux. Les arbres gonflés de sève. Les tendresses furtives des garçons et leurs noces cachées. Leur fièvre de chèvre sauvage dans les balles de foin. Donne-moi une cigarette. Cohabitation-là. Pierre vivant maritalement avec Paolo et tout ça dans l'espace exigu de mon petit corps. Pierre, c'est le fondateur, le pilier, le déluge d'eau bénite répandue sur le monde. Pierre, c'est mon père, officier fasciste. Alors que Paolo, c'est autre chose. Voilà comment je m'appelle, monsieur.
Pierre le seigneur et Paolo le marginal. Et toi? Moi? Oui. C'est Ninetto, tout simplement. Ninette? Ça me plaît. C'est ta mère qui t'a donné ses cheveux? Je sais pas. Tout le monde dit que je ressemble à mon père. J'avoue ton passé. Non. Pourquoi? Je sais pas. Parce que non, c'est qui? Est-ce que... Tout de suite? Ce serait trop comme d'habitude. Mais il n'y a rien comme d'habitude. Il y a 2 ans que je suis à Rome. Je n'ai rien fait, ni écrit, ni pensé, ni vécu. J'étais seul, comme un survivant. Je me traînais sur une route absurde comme un enfant qui n'a plus de maison et je n'en rencontrais que des soldats, des curés ou des putains. Toujours les mêmes robots mélancoliques. Et ce soir, toi, tu dois partir. Je travaille dans 1 heure. Tu reviens. Demain? Ils regagnèrent le centre, entre les maisons peintes de vert, de bleu, de rouge, de noir, et désormais plongés dans l'obscurité. Près du canal, Armido lui demanda : tu reviendras ? Il était ému. Il était quasiment sur le point de pleurer. À l'idée qu'il ne reverrait peut-être jamais son nouvel ami. Le livre Ragazzi di Vita est interdit en Italie pour obscénité. Mon livre décrit réellement la misère qui existe dans la banlieue de Rome. Il vient d'obtenir le prix Colombi, décerné par les plus grands écrivains d'Italie. Cela ne l'empêche pas d'être immoral, et pas si que d'une condamnation. La tâche du romancier n'est pas de faire l'autruche, ou pire, l'hypocrite devant les fléaux sociaux. Profiter des fléaux sociaux pour étaler votre turpitude sexuelle. Après, c'est une ligne. À gauche comme à droite, on vous traite de pornographe, d'apologiste des voyous, de rameur d'excréments, d'apôtre de la fange. C'est une manœuvre politique. On me désigne comme un exemple de l'art soi-disant obscène qui se développerait si le pays allait à gauche et renonçait à ses dirigeants sérieux, capables de protéger la moralité publique, c'est-à-dire les dirigeants des couches les plus arriérées de la démocratie chrétienne. N'aggravez pas votre cas en insultant les membres du gouvernement. À dire le vrai, votre livre équivoque sur la vie des faubourgs de Rome, pas une œuvre de pure fiction. Certains aspects troubles de votre vie permettent de penser que vous transposez dans les domaines romanesques des expériences biographiques. Faites entrer Monsieur de Santis.
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, dit je jure. Je le jure. Veuillez exposer les faits qui justifient votre plainte. J'étais tout seul dans le poste à essence de mon frère. C'était le 18 novembre à 3h de l'après-midi. Un inconnu est entré, coiffé d'un chapeau noir. C'était lui. Comme dans les westerns, je porte jamais de chapeau. Il a commandé un coca, il m'a posé des questions bizarres. Quel genre de questions? Combien je gagnais? Si j'étais fiancé? Si je m'amusais le soir? Comment? Puis il a enfilé une paire de gants noirs. Et il a sorti de sa poche un pistolet noir qu'il a chargé avec une balle en or, en disant « Si tu bouges, je tire. » Puis il a ouvert le tiroir caisse et a volé 2000 livres. Le lendemain, j'ai reconnu la voiture de l'inconnu. C'était une Giulietta. Et l'inconnu, c'était lui. Sensationnel comme scénario. Un commentaire. Vous reconnaissez avoir pris de l'essence à cette pompe ce jour-là? Oui, de l'essence à quoi c'est tout. Pourquoi avoir posé tant de questions aux pompistes? Pourquoi abordez-vous une jolie femme dans la rue, mais de là à sortir son pistolet en or? Il vous a fait des propositions malhonnêtes? Non. Je vous remercie, monsieur de Santis. Rendez-vous compte de votre situation. Corruption de mineurs lors d'un précédent procès. Des mineurs de 16 ans, tout est relatif. Vol à main armée contre la personne d'un pompiste. Soyons sérieux. Dites que vous voulez me faire des ennuis parce que j'ai écrit un livre dérangeant, et je comprendrai. Non, mais quelle personne sensée ferait crédit à cette histoire de chapeau noir, de gants noirs, de pistolet noir avec une balle en or? Cela ressemble au délire d'un lecteur de bande dessinée. On peut tout supposer quand il s'agit d'une personnalité trouble, comme la vôtre. Je serai ses partisans d'une expertise psychiatrique. Et alors, tout ce que vous voudrez. Expertise, psychanalyse, sérum de vérité. Et pourquoi pas quelques électrochocs pour me passer le goût d'écrire. La liste de vos méfaits n'est pas close. Non content d'écrire, vous sévissez également au cinéma. Mais... Vos films valent bien vos écrits, ce qui n'est pas peu dire. Une plainte a été déposée contre vous par le député Pagliuca à propos de votre film intitulé Acatone. Conspiration, on cherche à me détruire. Faites entrer, monsieur le député. Jurez-vous de dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je l'ai joué. Monsieur le député, vous avez déposé une plainte contre Pasolini pour usage abusif de votre patronyme et diffamation. Veuillez vous en expliquer devant la cour. Je combats pour mon 14 et 18. Je suis député, démocrate chrétien, honorable père de famille, veuf, avec 11 enfants. Quant à Pasolini, je ne jetterai pas des lumières sur sa vie intime par générosité. Tout le monde sait que les personnages créés par Pasolini appartiennent tous à une sous-espèce biologique dominée par ses plus bas instincts. Donner mon nom dans un film pareil à un maquereau qui se moque du Christ, c'est démolir toute ma carrière. À cause de ce film qui a été projeté dans ma circonscription électorale, j'ai été obligé de diffuser un certain nombre de tracts et de recruter de nombreux activistes. Vous avez la consigne d'aller dans les fermes et les villages expliquer aux électeurs que les films Acatone ne relataient pas un fait réel, mais avaient été inventés pour les diffamer. Cette propagande intense m'a contraint à dépenser des sommes considérables. Malgré cela, mes électeurs, pensant peut-être que j'avais réellement exploité ou me prostitué, m'ont accompagné comme indigne du mandat parlementaire. À la suite des contrariétés subies, j'ai contracté la psychasthénie et le diabète. J'ai les certificats médicaux. Et malgré les soins des plus renommés spécialistes, je ne suis pas encore remis. Il y a 21 Salvatore Pagliuca dans la mer téléphonique de Milan. 25 dans celui de Rome.
Cela fait combien de Salvatore et Pagliuca dans toute l'Italie? C'est comme si un Français se plaignait qu'un personnage s'appelle Dubois ou Dupont dans un film. Au nom de la jeunesse nationale, j'ai dit que tu me dégoûtes. Écoutez un peu de recul. Je viens d'applaudir le film sur la face de son réalisateur. Je te tends l'autre jour. J'ai pris l'habitude de ne pas répondre aux agressions fascistes. On a agressé à la sortie de chez moi une amie. On m'a jeté un pot de peinture blanche sur la tête pendant une conférence. Une voiture m'a foncé dessus en pleine rue, blessant deux de mes compagnons. Elle était conduite par le fils d'un député d'extrême droite. Je m'attends à d'autres agressions encore. Je suis le bouc émissaire d'une société tarée. Allons donc. Pas de paranoïa. Film Hackathon sera interdit aux moins de 18 ans, conformément à la loi Rocco. La loi Rocco est une loi fasciste, tombée en désuétude. En désuétude ne signifie pas abolie. Quatre mois de prison ferme pour diffamation contre le député Pagliuca. Concernant l'affaire 210, nous attendrons l'expertise psychiatrique. L'audience est faite. Garde le paquet. T'es un frangin, toi. Et
Quoi, tu veux pas me croire? Mais ce que je te dis là, ça vient du fond du cœur. Tu peux parler de moi à la pièce à la latte, hein. Y'a personne qui me connaît pas. Parce que je suis le gars le plus respecté de tout l'endroit. Parce que quand je peux dépanner un copain, hein, ben j'y manque jamais. Mais si toutefois c'est moi qui ai besoin qu'on me dépanne, une supposition, eh ben je trouve toujours un gars. C'est réglé là. Tu vas à pied de la latte. À pied. Y'a plus de tram à cette heure-ci. Si tu veux que je te raccompagne avec ma bagnole, elle est là. Une tunique, hein? Oh, t'es pas fâché, toi, dis, hein? Achète-moi ça, hein? Super, cette chiotte! En route? T'es un mec bien, toi! C'est pas toi qui aurais trinqué deux berges à la Namibia. T'as fait de bateau? Deux berges, pour une connerie. Qui j'aille se faire enculer les vaches? Comme passage à tabac, qu'est-ce que j'ai dégusté? Un de ces passages à tabac? Je te dis que ça. Tiens, regarde mon dos. J'ai encore des marques. Et sur le ventre, là, ils y allaient avec leur cravache. Parfaitement, mon gars, avec leur cravache. Tiens, jette-moi ça. Tu es sérieux ou quoi, rien du tout? Quoi? Jette mieux que ça, là. Et dis donc, machin chouette. En route, hein? Tu voudrais pas charrier des fois ou quoi, là? Tu triques? Et tu sais pas en fait un paix sur les bords, toi? Hein? Depuis le temps que tu me colles des coups d'œil comme des timbres postes, tu serais pas un peu allumé? Je connais des PD, moi. Des fils de putain qui font le tapin près des l'église Trinita di Monti. Ils sont coiffés à la Lolo Brigida. Il y en a un qui se fait appeler la femme du peuple. Et l'autre? L'impératrice. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Les gars, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas une ventouse, moi. Enculé de leur mère, j'ai jamais calcé un PD. Même pas vrai. Le PES, ça le dit pas. Le PES, faut pas cracher dessus quand ça se présente. Mmh. Et je suis pas une tante. Mmh. Bravo. Ouais, dis donc, tête de lard. Pas question de me rouler des peines. Je suis pas une gonzesse, moi. Le PES d'abord. Ou je me triste. La parole est au professeur Semiramis, membre de l'Université de Rome, expert psychiatre auprès des tribunaux. Merci, monsieur. Vous parlez, monsieur, d'infantilisme. Parfaitement. Certes, je ne suis qu'un modeste romancier et cinéaste. Je ne suis pas une sommité. Venez, mon frère, je vous prie. Ça va venir si je ne change pas de main. Voilà tout à fait, monsieur le président, le style de provocation du prévenu. Celle de la monomanie exhibitionniste. Ah, je vous ai pourtant encore rien montré. Vous risquez rien d'ailleurs, vous n'êtes pas assez beau. Monsieur, si vous continuez à m'insulter, Je n'insulte personne. Il est évident pour tout le monde que vous ne sortez pas d'un tableau de Léonard de Vinci. Même si vous louchez un peu comme la Joconde. Toujours ce langage provocateur. Toujours cet affrontement, père. Toujours ce meurtre recommencé qui fait de vous un petit type. Vous êtes une mitraillette à projeter des mots vides de sens. Des mots vides de sens? Vous préférez que je dise inverti ou skeptophile plutôt qu'homosexuel? Vous avez un besoin permanent de provocation, vous venez de le prouver encore. Paranoïa! Est-ce vide de sens? Vous avez acheté une voiture chère. Provocation et recherche d'une sécurisation. Vos lunettes noires sur le nez. Exhibition.
Mot vide de sens. Votre attachement malsain à votre mère est une fixation. Mot vide de sens. Votre éloignement des femmes est une phobie. Votre attachement à votre chien est vicariant. Votre sexualité en régression. Votre stade anal. Votre intérêt pour les jeunes. Du narcissisme et de la pédophilie. Votre goût des banlieues. Un blocage. Mot vide de sens. Vos éternels blue jeans de l'agressivité, vos démagogies basket du fétichisme, votre amour invétéré pour le football de l'hypersphénie, votre préférence pour les légumes cuits à l'eau, de l'autopunition, mon vide de sens, allons donc, votre cas est clair, asocial, anormal, malade, un grand malade. Veuillez résumer clairement votre diagnostic, professeur. Pasolini est un psychopathe de l'instinct. Un sujet aux instincts profondément tarés. Notre analyse a mis en évidence une grave anomalie du noyau instinctif de la personnalité. Pasolini est un anormal sexuel. Le soupçon est fondé que sa capacité d'entendement et de volonté est gravement abandonnée. Bravo. Demandez donc en enferme avec moi tous ceux qui ont aimé mes livres et mes films. Le jury du prix Colombie, où siègent les écrivains les plus réputés d'Italie. Vous êtes si profondément anormal que vous acceptez votre anormalité en toute conscience, au point de vous montrer incapable de la considérer comme telle. N'oubliez pas non plus d'enfermer tous ceux qui sont porteurs de blue jeans, tous les célibataires, tous les propriétaires de chiens, tous les joueurs de football. Et s'il reste un seul homme normal dans toute l'Italie, ça sera vous peut-être. L'expertise lucide et impartiale du professeur Semeraru est versée à votre dossier. Altération congénitale de la personnalité. Vous êtes socialement dangereux. Pour l'affaire Santis, je vous condamne à 15 jours d'emprisonnement, plus 5 jours pour port illégal de pistolet et 10 000 lire de contravention pour absence de déclaration de pistolet. Le nom se lui. Je n'arrive pas à pactiser avec le monde. Je suis un homme contre. Parfois, seul dans ma voiture qui file sur les autoroutes, je regarde le canal de Fiumicino. Les pêcheurs couverts de laine. Un accident. Avec une maigre foule autour. Et les mille moucherons que la mort envoie sur mon pare-brise me font penser que bientôt va mourir cette idée de l'homme qu'on peut encore voir dans les petits matins de l'Italie ou de l'Inde, tout entier de son travail. Avec un petit bœuf ou un cheval qu'il aime bien, dans un petit enclos, dans un petit champ perdu dans l'infini d'un rivage ou d'une vallée. Petit homme qui laboure et qui sait
et qui cueille dans le verger des fruits rouges et jaunes de la saison. Cet homme qui refait dans l'infinie prison du blé, sous le soleil impur ou divinement vierge, toujours les mêmes gestes, et qui, refaisant ces gestes, recrée ainsi son propre père sur la terre. Je pleure sur cette image, qu'en avance sur les siècles, je vois s'effacer petit à petit le monde. Tu dors? Moi, je ne peux pas dormir. Des failles s'ouvrent dans ma tête, hémorragie d'images, des blocs visuels juxtaposés, visages, corps, rue, place, baraque, fragments de bâtiments, parois noircies des gratte-ciel, la boue, les haies, des champs de banlieue jonchés de briques et d'ordures, la lumière enivrante. Tout prend un aspect absolu et paradisiaque. Buongiorno, Angelo mio, je veux mourir avant toi. Technicien du son, mes amis, allons-y. Je veux des visages propres, des cheveux tondus de garçons barbares et sportifs qui font les 100 pas devant la prostituée, de ces nuques lumineuses qui me font des élancements de désir au ventre. Moteur, gros plan sur le père qui tend son usine, entouré de peupliers flambants. Vite, vite, pas la peine de s'apesantir. Thérèse, tu arrives avec ta petite valise et une présence scandaleuse, malgré ton air si comme il faut. Incongru, comme un vivant. Plongée. Que belle. On change d'objectif, prenez le 75. On continue. La lumière est parfaite. Le fils à présent. Regarde. Pardon. Je montre tes boutons. Une puberté besogneuse de gosse de riche. Parfait. Bien le petit. Ton corps n'a pas touché de corps. Tremble, éperdu de honte devant ta nudité. Découvre doucement le corps nu de l'étranger dans son sommeil, viril et chaud. Pleure sur ce qui t'empêche d'accepter le désir qui t'inonde. C'est violent et doux, comme si tu allais mourir. Bene. Bene. Je me fous éperdument des règles du cinéma. J'ai fait mon premier film à 40 ans, sans savoir ce qu'était un panoramique, ni même qu'il existait des objectifs différents. Tiens, prends l'objectif à courte focale. On déforme l'image, on se fait un rêve. Rosanne, le petit matin, entre la brosse à dents et l'usine, un geste en trop va tuer ta vie. Tu ouvres la porte de cette chambre. Tu sais pas pourquoi. Ton fils dort la tête abandonnée sur la poitrine nue de l'étranger. Trouble. Trouble. Ton corps a des souvenirs. Ta main ne t'obéit plus, c'est malgré toi. Elle caresse le bras, la poitrine. Elle ouvre la couverture, le ventre, le sexe. Ose cet étranger si beau et qui pourrait être ton fils. Ta vie devient mirage, éperdue de honte, dans cette chambre. Tu découvres le désert.
N'arrêtons pas séquence sur séquence. Une moisson, le fils, pisse de désespoir sur ses toiles gâchées. Le père se met nu dans une gare et part pour le désert. Non, pas comme cela, Rosanne. Le désert, c'est dedans. Oui. Oui. La bonne. Mettez-la sur le toit. Elle vole. Suspendue dans le ciel. Elle fait jaillir une source miraculeuse. Ah, Mama! Toi seule, la paysanne, as su saisir la grâce et la beauté en miracle. Pasolini devenu mystique, membre d'une secte. Pasolini devenu fou, se prend pour le prochain pape. Oui, je crois au miracle. Le miracle, c'est l'explication naïve du mystère qui habite l'homme, du pouvoir qui se dissimule en lui. Le plus obscène, le plus scabreux, le plus repoussant. Rien de métaphysique ni de spirituel, une obsession du sexe. La séduction de la domestique, la profanation de l'image de la mère, la dénudation de l'homme, l'étreinte, le déboutonnage du pantalon, les deux garçons et le dégât, les organes masculins, vous pouvez inventer ce projet, on les voit. Le requiem de Mozart qui accompagne les scènes sexuelles. Les versets de la Bible coupés par des allaitements de bête en rythme. N'a jamais projeté en Italie un film plus pervertisseur, plus crasseux, une pourriture de la première à la dernière séquence. J'ai reçu ce matin un télégramme. Le film Théorème vient d'obtenir le prix de l'Office catholique du cinéma. C'est une plaisanterie. Cette exposition permanente de votre âge humain, c'était vital dans quel génitaux le prix, je ne crois pas. Tenez. Mais en gros, j'ai des fruits pourris sur l'écran. À Pérouse, la séance est interrompue par le scandale. À Trévis, l'évêque, vous entendez l'évêque, monte en chair pour fustiger votre immoralité. À Milan, une jeune maman a quitté la salle LGBT. Elle est restée plusieurs jours au l'évêque choc. À Rome, une sœur missionnaire du Sacré-Cœur a vomi en sortant du cinéma. Coït à l'enfant, un couplement sodomite entre conjoints, a-t-elle déclaré. En Sicile, un prêtre a été appelé pour bénir l'écran souillé par vos insanités. Parlez, vous êtes ici pour vous expliquer. Je dis bonheur de guérir. Incitation à la débauche, incitation à la haine entre les classes sociales, outrage à la religion, apologie du crime et de la perversité. Ça vous fait rire. Oui, que des gens sérieux, entre deux messes, vous dictent votre propre vérité au téléphone qui me fait mourir de rire. Ne cherchez pas à détourner le débat. J'ai parlé parce que je représente la plupart de ceux qui subissent vos films. Je pense à mes fils qui le verront peut-être, j'ai honte. Mais il s'agit nullement de moi, c'est vous qui êtes aujourd'hui devant le tribunal. En êtes-vous sûr? Accusation. Procès. Je refuse. Tout échange d'arguments est dégradant. Vous êtes ici pour parler de votre film. De celui que j'ai fait ou de celui que vous avez vu? Vous ressemblez au père de Théorème, ce père immobile, entre les rails déserts d'une gare morte. Oui, tout est pulsion, tout est désir, tout est mort. Tout est amour, tout traverse mon corps et passe par mon sexe. Oui, mon film est obscène,
indécent, pornographique, absolument pas artistique, offensant pour les personnes honnêtes et les gens sérieux, gravement dommageable à une jeunesse déjà trop corrompue. Vous n'aimerez aucun de mes films. Vous n'y trouverez pas, à la vérité toute faite, des postes de police. Je cherche. Avec l'instinct de mon métier d'écrivain, je rassemble des morceaux d'intuition et je rétablis la logique au sein de votre arbitraire et de votre folie. Vous, les hommes de pouvoir, qui prétendez lutter pour une cause morale en censurant mes films, vous massacrez depuis 30 ans. Massacre de Piazza Fontana pour accuser les extrémistes de gauche. Massacre de Bologne pour accuser les fascistes. Vous vous refaites ainsi à vos comptes une virginité antifasciste. Vous en avez besoin, après le référendum, pour continuer à gérer le pouvoir comme si de rien n'était. Oh, cette fois, vous en avez trop dit. Mettez les catholiques dans votre poche, mettez-y les gauchistes, les communistes, un jour ou l'autre, pour le mélange, deviendra pouf, explosif, et vous réduira à l'état l'affaire dont vous n'auriez jamais pu sortir. D'une manière ou d'une autre, nous trouverons un panneau à votre mesure. Normal. Les hommes sans défaut comme vous sont des hommes sans qualité. Quel que soit votre camp et celui de vos semblables, je suis toujours de l'autre côté. Un panneau à votre mesure. Crevez-moi les yeux, je deviendrai voyant. Monsieur le Président. Théon, cogné par l'Office catholique du cinéma, sera librement diffusé. Que le catholique prenne garde toutefois pour ne pas introduire dans la cité le cheval de Troie de Pasolini. Non. J'en peux plus, Marlowe. Les pots de peinture sur la tête. Les heures entières en tâtant au tribunal. Les bagnoles qui nous foncent dessus. Les fachos avec leurs chaînes, j'en ai marre. Poveretto. Tu connais pas la dernière. Ils viennent de saisir Canterbury. Normal. Roman, procès, article, procès, film, procès, c'est une tradition. 33 procès en 20 ans, un tunnel. Je voudrais leur dire prêtre, prof, patron. Vous avez eu tort de me livrer à la justice. Je comprends pas pourquoi je suis bruit. Ne commence pas ton siècle. Ça sert à rien. On dirait que ça te fait plaisir d'être interdit. Mais ils finissent toujours par autoriser mes films, mais c'est pas eux. Pire que la censure, il y a la tolérance. Ils cherchent la pornographie. Ils ne voient jamais l'amour. Jamais la beauté des visages, des marins, des manœuvres, des moines. La beauté de ton visage. Qui plissent des yeux de ce rire coquin pour abolir toute règle de vie. Ils comprennent pas les miracles. Je place l'homme au centre de toute perspective, comme les peintres du Trecento, Giotto, Masaccio, Pontormo. Mais pas besoin de savoir tout ça pour aimer tes films. Je connais rien, moi. Et j'aime tes films. Si on t'autorise, ça te plaît pas. Si on te censure, ça te plaît pas. Tu te crois supérieur à tout le monde. Je ne méprise personne. C'est contre ma nature qu'est de toujours pressentir en chacun sa profonde part de mystère. Mais depuis 20 ans, les culs bénis, les souffleurs de haine, les requins d'après sa sensation, me traitent de pornographe, d'apôtre de la fange, de remueur d'excréments. En réalité, qu'est-ce que j'ai été? Un nomade, contraint de quitter son village et son parti. Un chômeur, nourri par sa mère qui faisait des ménages. À présent, je sais qu'un poète peut écrire de très belles poésies simplement parce qu'il n'a plus un sou en poche. Ou pire, pour s'acheter une Alfa Romeo. De quoi tu te plains? Tu regardes toi avec tes putains de lunettes noires. Je suis là, moi. J'existe. Je te regarde. Je te
Pourquoi pas, j'aime aussi ta voiture, ton appartement, ta terrasse fleurie, tout ce luxe, cette lumière. Mais tais-toi. Tu es en train de déclarer toi-même que la vie n'a de valeur qu'à travers les biens matériels. Et certes, l'essentiel pour le petit couple de la télé n'est pas d'aller à la messe tous les dimanches matins, mais bien d'y aller en Fiat 600. Il y a un rebut d'humanité dans tout ça. C'est l'avènement du temps de la bête. Nous préparons l'apocalypse du capital. Oui. Mais la vie, le soleil, les arbres, ce qui est bon à manger, à mort de la vie, quoi. Tu vas me trouver bête de dire des choses comme ça. Je t'aime quand tu ris. Quand tu mords en faisant l'amour. Je n'aime pas cette tristesse qui te défigure. Cette tristesse, elle est en moi depuis la mort de mon frère Guido. Je t'ai jamais parlé de lui. Parti pour le maquis par un matin muet de mars, dans un train clandestin. Son revolver caché dans un livre de prière, il n'est jamais revenu. Des traîtres, infiltrés parmi ses camarades, ont jeté le masque, massacré, arraché les yeux peut-être. Tous ces jeunes gens de 16 et 17 ans. Depuis, la mort ne m'est plus inconcevable. Mon frère Guido y séjourne. Durant 15 ans, on a dormi dans la même chambre et mangé à la même table. Tu me caches encore beaucoup de secrets comme celui-là, Paolo. Non. C'était le dernier. Je te le donne. Je me sens triste à mourir. Je suis le dissident de tout le monde. Un hérétique, un indésirable absolu. Le minoritaire de toutes les minorités. Cette Italietta, ce pays de gendarmes, me tourmente, me poursuit, me lynche depuis plus de 20 ans. Les chasseurs m'ont touché une première fois avec cette affaire de Ramoncello. Depuis, ils ne peuvent plus me lâcher, plus perdre ma trace, ma vie privée ou le peu qu'il en reste, est vendue sur les places publiques par tous les Judas d'Italie. Je me vois tout à coup comme je suis, un quinquagénaire privilégié qui se paye des garçons. Une vieille tapette, comme ces folles surchargées d'or qui vont à l'opéra pour se pâmer au son de la voix de la Callas. Elle et moi, on nous a transformés en monstres. Je suis une branche morte. Je dois continuer éternellement contre, à prétendre, à vouloir, à m'identifier avec le différent. Oui, j'ai une autre vie. Oui, je suis différent. Et cette différence n'est pas une maladie, mais une soif de connaissance. Pourquoi tu me regardes comme ça, Nélène? Tu remues la patte comme un fou et tu la remues trop. Elle ne pourra jamais lever cette patte. Elle ne fera jamais du pain. Encore une fois, tu as raison. N'ai jamais fait un film digne de ce nom. Trop d'inquiétude enlève de la force. Tu seras mon levain pour l'enjeu. Tu vois, j'ai même un peu d'humour. Il m'est venu insidieusement comme une forme de sagesse. Avant, je ne pouvais pas rire de ces choses. Elles me faisaient trop mal. Et à présent que j'en ris, je me dis que je ris et je me détache. Tu as souvent un désir de fils. Tu me dis que je suis un peu comme ton fils.
Peut-être il te manque cette tendresse-là. Un ange suffit pour qu'on imagine le paradis. Mais le paradis n'existe pas, Ninetto. Le paradis n'est qu'un projet que Dieu n'a jamais su mener à terme, faute d'imagination. Il y a une seule réalité, c'est la solitude. On ne peut pas respirer sur tes sommets. Tout le monde n'a pas ta force, ton amertume, ou ton je ne sais quoi. Mon rêve n'est pas de vivre comme toi. Finis tes phrases. Je vais me marier. Ne te quitte pas, Capolo. Je t'aime aussi. Je peux pas attendre plus, elle est enceinte de 4 mois. Je serai parrain. Je serai tonton. Vous m'inviterez le samedi soir dans votre appartement qu'elle aura si bien arrangé. Et on regardera la télé. Une petite couverture à carreaux sur les genoux. Et tu comprends pas. Je comprends très bien. Tu as envie de cette fille de pâtissier. Le couple est une obligation à laquelle nul n'échappe impunément. Paolo, je peux vous aimer tous les deux. Tout quoi que mes filles. Quoi ? Rien. C'est du latin. Mais tu m'écoutes plus. Va-t'en ! Va-t'en ! Infime, intolérable comme ma souffrance, intolérable comme une montagne de cadavres dans un champ nazi, intolérable comme ce flot de cadavres ininterrompu de l'histoire humaine, un film qu'on ne pourra pas regarder jusqu'au bout. Je les contraindrai à sortir, à avouer qu'ils ne peuvent pas supporter la vision de leur propre mort, de leur propre iniquité. Il n'y aura que des cadavres, des momies et des corps inanimés. Le sexe sera présent aussi pour signifier la commercialisation et l'aliénation des corps. Des étrons sanguinolents dans des assiettes de porcelaine et l'œil froidement arraché qui pend encore sanguinolent au bout d'une nerf optique. Le sang jaillissant du cœur chevelu qu'on arrache doucement. Plus de destin, plus de magie, plus de mythe, plus aucun rituel de séduction. Simplement la progression glacée d'une machine de mort. Un stock de corps inanimés pour l'extraction de la jouissance des maîtres. Une logique implacable d'extermination. Un cartel de monopole, monopole du langage, monopole de la jouissance, monopole de la répression et de la souffrance. Je veux des hommes enfermés dans leur nudité, dans une puanteur d'abattoir. Maman. Tu deviendras une femme de pierre, statue de sel rendue folle, ne sachant même pas qu'ils m'ont tué. Tout pue la merde, tout pue la mort. Maman, je veux pas mourir.
était chez toi? Non. Elle était? Non. Oh mec, ça caille là. C'est plus le printemps. Et tu déconnes ou quoi? Je m'envoie pas en l'air dans la nature, on se dégèle. T'as bien une piole? Dans les salons, on peut pas faire l'amour. Et dans un lit non plus. Non mec! Et où alors? Ah, il faut un près de banlieue. Un bout de désert. La steppe. Une plage. J'aime tes cheveux courts, ton visage de jeune fils, barbare et sportif. Je t'emmène à la plage. À Ousti. La mer ? Oh putain mec, tu charries ou quoi là ? Et c'est plus d'été, hein, c'est même le 1er novembre, jour des morts. Allez, pas en moi, quoi. Rien à dire. Où tu es? Via Tiburtina. Tram 209 à partir de la gare. Ton boulot? Rien à dire. Chemin? Des fois, oui. Mais sinon? Menuisier, garagiste, prison. C'est comment la toile? Bon. Cellule, réfectoire, atelier, réfectoire, cellule. Est-ce que t'es reconnu, tu sais? C'est le type qui fait du silage. Eh. Ça me plaît le silage. Tu piques des manières. Mais pour qui tu me prends? Je suis pas un dingue. Dommage. Je t'aurais bien donné un rôle dans mon prochain film. Mais pour mes personnages, je cherche des gens qui sont ce qu'ils sont dans la vie. Et j'avais besoin d'un voleur de mignon. Ah! Eh. Et remarque, je dis pas que ça m'est pas arrivé une fois ou deux. Des gens le suivent. Des amoureux qui vont baiser à la mer. Non, non, non. Ils me suivent. Mais t'inquiète. Ouais, t'as les sons ou quoi là-haut? Il y a longtemps que je n'ai plus peur. Ah. Certaines nuits. Ça serait une folie de faire autre chose que l'amour. La mer est tout ébouffée comme tes cheveux. Tu fracas dans mes oreilles. Je te veux nu, brutal comme un violeur de bêtes. Ta mine de paysan. Tes membres trapus d'athlète. Tes hanches basses. Ton sexe est une arme de mort. Il sculpte la vie et lui donne sa forme. Tu es mon Christ de 17 ans. Mon issue de secours. La mort ouvre ses portes. Les ombres là-bas. Ce sont déjà les juges. Pasolini gisait de tout son long à plat ventre, un bras sanglant écarté et l'autre caché sous le corps, cheveux poissés de sang, front égratigné et entaillé. Visage déformé par l'enflure, noir d'hématome, bras, mains, également noir d'hématome et rouge de sang. Doigts de la main gauche fracturés et coupés. Mâchoire gauche fracturée. Nez aplati et dévié vers la droite. Oreilles demi-coupées, celle gauche pendante, arrachée. Blessure aux épaules, au thorax, au bras, avec les marques des pneumatiques de sa voiture, sous laquelle il a été écrasé. Horrible lacération entre coups.
des nuques, 10 côtes fracturées, sternum fracturé, foie déchiré en deux endroits, cœur éclaté.